Comment réaliser donc une vue 3D explosée, coupée en deux, qui vous permette de représenter, comme vous pouvez le voir sur le côté. Bonjour, je suis Pascal Camlitti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc ce type d'image et comment couper donc une vue 3D et la représenter dans Revit. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et remplir votre prénom et votre mail pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits pour ceux qui veulent aller encore plus vite et encore plus haut. Vous avez la box, donc vous abonnez à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser ce type de vue, celle que vous voyez là, vous devez avoir deux vues. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir sur une vue 3D, vous allez prendre votre vue 3D. Alors, moi je vous conseille vraiment la vue 3D orthographique qui vous permettra d'avoir une vue qui sera beaucoup plus facile à caler. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la première chose, c'est vous allez dupliquer la vue. La première. OK. On va l'appeler. On va la marquer vue 3D 01. On va également dupliquer cette vue. Idem, hop, on va l'appeler renommée. On va marquer hot sur la partie hot. Ce que vous devez faire, c'est surtout activer donc dans chaque vue la zone de coupe. Alors je rappelle pour la zone de coupe, il vous suffit d'aller dans la partie étendue et faire zone de coupe, hein. Vous devez la sélectionner. Une fois que la zone de coupe est activée, vous devez la rapprocher, donc de manière à voir tous les taquets présents, le plus proche possible. Alors là, on a sur la partie haute, donc du coup, on va la garder. Il vous faudra surtout la décaler vers le haut, parce que là, ce qu'on va faire pour la partie haute, alors la partie basse ici, alors je vais la renommer ici pour la partie basse. Alors là, je suis au 500e, alors je vais peut-être passer au centième. Je vais passer au centième également. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer déjà d'entrée ici, bouton droit, masquer la catégorie des niveaux. Pour la partie basse, on va faire la même chose. Masquer la catégorie des niveaux. Alors, ce qu'on va faire ici, sur la partie haute, on va sélectionner l'ensemble de la maison. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est. Vous allez aller ici, dans l'onglet modifier ici, vous allez ici dans la partie déplacer les éléments. Vous allez faire déplacer les éléments, les tirer verticalement. OK. Voilà. Une fois que c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la zone de coupe et on va la remonter. Je vais aller un peu haut là. Hop. Vous allez la redescendre. Voilà, bon, là je la mets juste sous le plancher. Voilà. Pour avoir la partie haute. Après, on sélectionne ici, on fait masquer l'élément pour pas avoir la zone de coupe. On vient sur la partie basse ici. On va prendre la zone de coupe ici que on va descendre en dessous le plancher de manière à couper l'endroit où l'on veut afficher les éléments. Voilà. Idem, je fais masquer l'élément. Et maintenant, il me suffit d'aller dans ma feuille. Je vais dans ma feuille. Voilà, bon là j'ai fait un exemple, hein. Je vais en prendre une autre, bouton droit, nouvelle feuille, je prends le métrique A3 de chez Autodesk, je vais prendre ma partie basse que je vais placer, voilà, je la place où je veux, je peux activer, recadrer, hein, parce que du coup le cadrage est très loin, donc il va me falloir le rapprocher, hop, pour avoir ma vue la plus proche possible et qui soit la plus esthétique. Voilà, on va cadrer la vue, on masque le casse, on double-clique, là on sélectionne, on dit qu'on ne veut pas de titre. Et maintenant, il me suffit de prendre la partie haute, de venir la placer, et là on voit que j'ai la correspondance qui se fait automatiquement, et là j'ai placé mes éléments. Maintenant, il me suffit, alors là je vois que ici, ma zone de coupe, alors je vais la chercher, je vais l'étirer légèrement vers le bas pour pouvoir voir le poteau qui m'aidera à voir la continuité. Voilà. Qui veut dire que là, il me manque un peu de hauteur, donc je la retire un peu vers le haut. Je désactive ça. Voilà. Je double-clique un peu à l'extérieur. Ce qui veut dire que là, du coup, je vais descendre un peu. Voilà. Pour rester dans ma vue. Je reprends ça, je le redescends. Je fais aussi également sans titre.
Voilà. Et maintenant, il me suffit d'aller dans l'onglet annoter ici, ligne, et je prends ligne cachée. Je zoome, je zoome, je zoome. Je viens, je clique ici. Il me suffit de faire la correspondance. Je viens ici. Je continue la correspondance. Et je vais en faire un troisième ici pour montrer. Bon, je pourrais en faire plus, hein, mais là, c'est pour vous donner l'exemple. Voilà. Et vous avez donc votre zone de vue 3D qui est coupée. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, ça me fait plaisir de vous lire. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir mes notifications, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas abonnées, donc pour gagner du temps, pour avoir plus d'informations. Vous vous inscrivez pour pouvoir recevoir mes tutos et vous n'hésitez pas à trouver à droite, à gauche, donc les autres vidéos qui peuvent vous accompagner. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, la boxe. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.